La province va être divisée en deux au courant de la prochaine semaine, plus particulièrement au milieu de la semaine en raison d'une masse d'air froide qui va glisser seulement sur les portions les plus à l'est du Québec, dont la Gaspésie, la Basse-Côte-Nord, mais également le Bas-Saint-Laurent. Le sud-ouest de la province, quant à lui, va rester dans la douceur principalement, et ce qui est assez inhabituel en raison de la période actuelle qui est le cœur de l'hiver, pendant laquelle habituellement on connaît les températures les plus froides. Les températures donc dans le sud-ouest vont être 10 degrés au-dessus de la normale, tandis que pour l'est, ça se situe entre 2 à 7 degrés sous les normales, donc un froid plutôt mordant, parce que à ce stade-ci, depuis le début de l'hiver, les portions de l'est n'ont pas connu réellement de froid intense, et là, des températures frôlant les moins 30 pourraient donc avoir lieu en milieu de semaine prochaine, principalement pour la Gaspésie et la Côte-Nord.